Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Je suis contente enfin de pouvoir filmer cette vidéo. Oui, j'ai eu plein de galères. Hier, j'ai voulu me mettre devant ma caméra, mais ma caméra n'avait plus de batterie. Tout à l'heure, je me mets devant ma caméra, mais elle n'avait toujours plus de batterie, même si j'avais eu l'impression de l'avoir chargée. Honnêtement, enfin, ça marche. La batterie est là, nous sommes ensemble. Donc, let's go pour cette box avec ma petite Mélanie. Explique le concept. Il y a déjà peut-être quelques années maintenant, avec Mélanie, on faisait des box mensuelles puisqu'on n'habitait pas très loin, on se voyait régulièrement. Et du coup, on avait des petites box comme ça, sympa, des mini swaps par mois. Bon, alors malheureusement, j'ai déménagé loin. Elle a déménagé aussi de son côté un petit peu plus loin. Et on se voit beaucoup moins souvent. On peut pas se voir forcément tous les ans, enfin tous les ans. On peut pas se voir tous les mois et on se voit une fois ou deux fois par an ou trois fois par an, j'espère qu'on arrivera à se voir un peu plus souvent, mais avec le confinement, etc., ça a été compliqué. Je vous remets ici le vlog, le dernier vlog que j'ai fait chez mon papa, elle était là aussi puisque j'ai pu la voir et on a passé une journée entière ensemble, ça nous a fait du bien. Donc si vous nous suiviez déjà avant tout ça, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire pour me dire que vous étiez là déjà à nos débuts, à notre début de relation, à nos petites box d'avant. Voilà, en mode team à l'ancienne quoi. Du coup, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour ouvrir sa box, puisqu'elle m'a fait une box et moi aussi je lui en ai fait une. Je lui ai donné dans mon vlog, hein, évidemment. Comme je l'ai vu en vrai et que c'était déjà prêt, je lui ai donné. Et voici ma box. Donc, c'est un peu la box de fin d'année, la box de Noël, la box de retrouvailles, la box entre nous. Elle, je pense qu'il y a beaucoup de choses sur Harry Potter. Donc, désolée à celles qui n'aiment pas Harry Potter, mais il y a peut-être d'autres choses, je ne sais pas du tout. Donc je suis trop contente. Elle m'a fait un joli paquet, honnêtement trop mignon. Papier cadeau au top là comme ça. Surtout qu'avec le confinement c'était dur de trouver du papier cadeau. Donc elle a réussi à trouver des trucs sympas, donc ça c'est cool. Et elle m'a fait une petite lettre, donc du papier Harry Potter. Trop sympa. Avec un petit mot qui me. Voilà, qui est trop mignon. Évidemment qu'elle est. Elle me dit qu'elle est heureuse de faire la box comme avant. Et moi aussi, je suis trop heureuse, trop excitée. Et c'est pour ça que j'avais hâte de tourner cette vidéo. Pas pour ouvrir les paquets, mais pour voilà, ce petit sentiment à l'ancienne, nos petites retrouvailles, qu'elle ait pensé à moi et j'ai pensé à elle. Donc j'espère que ma box aura été à la hauteur. Donc elle l'a déjà ouverte depuis déjà au moins presque un mois, je pense. Et moi, du coup, je l'ai reçue maintenant. Elle a eu des petits problèmes de commande, mais tout est là. Donc, premièrement, ça, c'est moi qui lui ai racheté. Elle les a trouvés chez Noz et je les ai déjà. Mais c'est pas grave du tout. Parce que, comme je vous l'ai dit, ça, je lui ai racheté. Du coup, il y a une abonnée à qui aussi je les ai achetés. Parce que moi, dans mon Noz, je les ai pas trouvés. Et pourquoi j'en ai plein, vous allez comprendre. C'est que, en fait, j'aimerais bien en offrir à la fin d'année pour la coupe des maisons, il y aura une maison gagnante et j'ai envie de faire un petit lot à mes élèves avec plein de petites choses Harry Potter. Et du coup, bah, je pense que j'en mettrai un dans le lot. Donc c'est pour mes élèves, pour notre déco de classe, mais après ce sera sûrement pour mes élèves. Donc c'est trop sympa. Et honnêtement, je les trouve stylés, ils étaient à 5 euros chez Noz. En attendant, il va rester là. Comme ça, il va nous tenir compagnie. Parce que oui, j'avais un grand pop Harry Potter, mais qui n'est plus là, qui est retourné dans ma classe hein, pour notre déco, mais il reviendra pendant les vacances de Noël. Donc je commence tout de suite. Il y a des trucs. Alors ça, je suppose que c'est le deuxième comme ça, parce qu'il y en a un qu'elle voulait m'offrir et le deuxième je vais racheter. Donc j'imagine bien que c'est le deuxième. Yeah, c'est ça. Celui-ci, il est sans le chapeau, sans le chapeau magique, mais toujours avec ses petites lunettes. Il est classe aussi celui-ci en tenue du coup de sorcier tout simplement. Donc celui-ci aussi va rester là et il sera dans ma classe plus tard. Je continue. Alors. Ça, vu le format, j'imagine bien que c'est une pop. Donc ça, je suis trop contente. Parce que c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas acheté de pop pour ma classe, mis à part les grosses pop. J'ai acheté le Dumbledore il n'y a pas très longtemps. Hein. Je vous mettrai mon petit haul ici, le grand Dumbledore. Mais sinon, les petites pop, j'en ai pas acheté. Et bah, qu'est-ce qu'elle nous a choisi? Regardez, la surprise avec vous. Yeah, c'est celle-ci. Alors ça, je sais, si je me trompe pas, qu'elle l'avait trouvée à l'époque, il y a quelques mois de ça chez Noz, mais peut-être que là elle l'a racheté. Donc c'est Harry Potter en version dans le Harry Potter 2 avec les mandragores dans la main. Hop, vous les voyez. Et moi je crois qu'à l'école, si je ne me trompe pas, j'ai Hermione ou Ron avec la mandragore aussi dans la main. Donc c'est trop cool. Mais j'ai pas Harry. Donc ça c'est trop cool. C'est la 55 pour ceux qui collectionnent. Donc bah, il va aller compléter notre collection à l'école. Oh, il y a un grand truc. J'ai pas d'idée. Qu'est-ce que ça peut être? On dirait des posters ou du papier. Tu nous aurais acheté des posters? Là, j'ai pas du tout d'idée. Bon là,
Qu'est-ce que ça peut être? Ça m'intrigue cette histoire. Alors, pas du tout un poster. je sais pas ce que c'est, mais qu'est-ce que tu nous as acheté? Qu'est-ce que c'est donc? On dirait, vous savez, un truc un peu en silicone là pour mettre dans les tiroirs ou quelque chose comme ça, mais. Alors, c'est la grosse énigme. Alors là, Mélanie, tu fais du suspense jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Ah, trop bien. Non, mais tu sais pas en plus. Je sais plus si je l'avais dit. Je voulais en acheter un et j'attendais parce que celui de ma classe. Alors, vous devez vous dire, mais qu'est-ce qu'elle fait? Et voilà, c'est ça. Non, mais c'est trop, 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 trop méga bien. D'ailleurs, j'ai même pas pensé à ça, mais je vous explique. Dans ma classe, j'en avais un, mais pas Harry Potter, un tapis pour essuyer ses pieds, tout simplement basique, noir, mais il commence à être foutu. Les dames de ménage, elles ont coupé les bords et tout pour qu'il soit à peu près potable, parce qu'il commençait à s'abîmer pour éviter que les enfants marchent dedans, enfin tombent, etc. Donc j'en ai un qui est tout petit, et je me suis dit, il faut vraiment que j'en achète un sur le thème d'Harry Potter. J'en ai repéré quelques-uns sur AliExpress, mais je les ai pas commandés, puis après, bah du coup, j'ai zappé, etc. J'avais d'autres achats à faire. Et là, c'est trop bien. Il est trop beau. D'ailleurs, il est super qualitatif. Alors, je sais pas si elle l'a trouvé sur AliExpress ou sur Amazon, parce que Mélanie, elle aime bien AliExpress et Amazon. Donc, elle nous dira ça en commentaire, je pense. Mais il est méga beau. Méga... Je sais même pas si je vais oser le mettre par terre pour que mes élèves essuient leur pétu. Oh, je vais avoir trop de la peine parce qu'il est vraiment trop beau. Il est méga beau. Trop beau. Oui, je suis méga contente. Vous allez vous dire, mais la fille... On a un produit de cette forme là, alors elle nous a pas donné d'indice, est-ce que moi j'en ai mis d'ailleurs, je sais même plus. Je sais pas là dans un. Eh c'est trop mignon. Eh je savais pas qu'ils avaient fait des pèses à Harry Potter, vous savez les fameux pèses et les boîtes à bonbons avec les petits pèses en bas et en version bah, Harry tout simplement chez Wizarding World, donc la collection Harry Potter. Honnêtement je sais pas ce que je vais en faire. Est-ce que je les fais manger? Parce que mes enfants adorent les pèzes. Oui, moi aussi quand j'étais petite j'étais une grande grande fan. Est-ce que je le garde pour mon fameux lot, pour mes élèves et tout? Ça peut être trop trop sympa. Je vais réfléchir à ça, mais c'est une super idée. Et d'ailleurs tu me diras où tu les as trouvés, parce que peut-être que j'en rachèterai d'autres pour mes élèves. Pour information, pour celles qui viennent d'arriver de la chaîne de Mélanie ou qui viennent d'arriver sur ma chaîne tout simplement, Mélanie de la chaîne Happy Together. D'ailleurs, est-ce que je l'ai dit au début? Non, mais je ne sais même plus, je perds la boule. Donc Mélanie de la chaîne Happy Together 17 me connaît depuis déjà quelques temps. Et on a l'habitude, comme je vous l'ai dit, de faire des petites vidéos box ensemble. Et du coup, bah, pour celles qui ne savent pas, je suis professeure des écoles et je travaille sur le thème d'Harry Potter depuis l'année dernière. Et donc c'est pour ça que j'avais envie de faire un peu des swaps ou des box comme ça sur le thème un petit peu Harry Potter, histoire de compléter ma collection, de pouvoir gâter mes élèves aussi grâce à vous, grâce à ces échanges. Donc c'est plutôt sympa. Là il est déjà ouvert celui-là, c'est pas moi, j'ai pas triché, ça s'est ouvert tout seul. Et ben c'est le deuxième du coup, trop bien, c'est le PS version Ron. Donc waouh, trop sympa. Bah pareil, ça va aller compléter tout ça. Je vais voir ce que je vais faire avec hein. Sinon je peux garder un pour mon fils et un pour ma fille, ça peut être sympa. Oh mais il y a plein encore de cadeaux hein. Il en reste encore 4. Oula. Donc celui-ci est tout plat. Il n'y a pas d'indice. Qu'est-ce donc? Ah. Et c'est une coquine hein. Je lui en ai parlé en fait quand je l'ai vu. On a fait le tour de Carrefour, je crois, et je lui disais faut que je trouve l'album là, faut que je le trouve et tout. J'ai une élève qui m'a donné en fait tout simplement des cartes, des autocollants qu'on met dedans. Et j'ai pas le carnet et je le trouvais pas et ça me saoulait. Donc il coûte pas cher en plus, 2,90€, donc ça c'est trop bien. Je sais pas où elle l'a trouvé, mais ça je suis contente parce que en fait je voulais l'avoir pour utiliser les petites images autocollantes que mon élève m'avait donné, une élève de l'année dernière qui m'a donné tout un paquet de ses doubles. Et je voulais permettre à mes élèves pendant un temps en autonomie de pouvoir le remplir, mettre les petites autocollants, etc. C'est eux qui vont le faire quoi, en fait tout simplement. Donc bien sûr évidemment le livre, enfin le bouquin à la fin restera dans la classe, ils pourront le consulter. Mais je trouvais ça cool de faire ça encore une fois avec eux. Et à l'intérieur c'est sympa, il y a une boîte à construire en fait pour mettre les cartes je pense. Donc pour ranger nos cartes, sûrement nos doublons ou quoi. D'ailleurs si vous avez des doublons de ces cartes là, n'hésitez pas à me contacter. Parce qu'on sait jamais, hein, ça m'évitera d'acheter tout vu que c'est pour mes élèves. C'est quand même un budget, mais là j'ai déjà un bon paquet de cartes à utiliser pour mettre dedans. Donc c'est trop sympa.
Voilà, alors là, tu veux pas me faire plus plaisir. Je vois que tu m'as entendu. J'ai dû te saouler avec mon histoire de cahier, je pense. Un autre petit cadeau, donc c'est peut-être les cartes justement qui vont avec, peut-être une boîte, je ne sais pas. En tout cas, c'est une petite boîte. Eh, je suis pas si mauvaise que ça, hein, ça a l'air d'être ça, oui. Donc là, il y a 6 pochettes de 24 stickers et 4 et 6 cartes. 6 pochettes de 24 cartes, tout simplement. Il y a 24 cartes autocollantes et 6 cartes, je pense, rigides, un petit peu, cartes à collectionner. Donc ça, c'est trop cool. C'est la gamme, vous le savez, la fameuse gamme, tout le monde a connu ça, non? Dites-moi si vous avez connu ça quand vous étiez petit, mais les fameux albums Panini, tout simplement. Et trop de souvenirs, hein, quand je vois ça, trop de souvenirs. Il reste 2 cadeaux, mais tu m'as pourri gâté ma petite Mel, là. J'espère que ma box est à la hauteur. D'ailleurs, je vous mettrai le lien de ma box, de ce que je lui ai envoyé et sa chaîne dans la barre d'infos. Et du coup, allez la découvrir, hein. Elle fait plein de vidéos différentes, plein de styles différents, donc c'est trop cool. Oh, bah ça, qu'est-ce que c'est? Mais c'est trop bien. Mais qu'est-ce que c'est donc? Booster Mystère Pop Fantasy. Ah oui, je crois que Pop Fantasy, c'est une copine à elle. Je crois qu'il s'appelle Pauline, si je me trompe pas. J'espère pas. Qui fait des pins, etc. De Disney. Et bah, je savais pas du tout qu'elle faisait aussi des petits stickers, on dirait. Des magnettes, pardon, Harry Potter. Donc, il y en a plein de magnettes différents. Et là, c'est une pochette avec, avec différents magnettes. Mais c'est trop sympa. Ça va pouvoir être sur notre tableau de classe. Oh là là. Bon, j'ouvre pour voir un petit peu parce que ça m'intrigue. Et sa carte, elle est trop sympa à Pop, donc Pop Fantasy. Oui, Pauline, c'est bien ça. Vous voyez, je suis pas trop nulle. Donc Pop Fantasy, vous retrouvez son blog. Je vous mettrai tout, sa petite boutique en barre d'infos si ça vous intéresse. Et du coup, elle propose un code promo. Donc Pop 5, et à moins 5% plus une carte A6 au choix offerte. Évidemment, il faudra lui préciser et tout ça. Donc c'est plutôt sympa. Bah écoute, je vais aller, t'en as beaucoup parlé dans tes vidéos, mais j'ai pas, vu que je pensais qu'il y avait que du Disney, j'ai pas été regarder plus que ça. Et donc elle propose des petites pochettes comme ça, un peu surprise, avec les magnettes mystères sur Harry Potter. Il y en a plein, hein. Elle m'en a mis combien? 4, mais c'est trop bien quoi. Donc je vais en ouvrir une histoire de voir ce que ça donne, mais ça c'est trop une bonne idée. Je vais aller voir les prix parce que ça peut être bien pour mes élèves d'avoir un petit magnète comme ça pour eux, pour chez eux, dans la boîte à cadeaux, ça peut être cool. Et donc celui-ci, oh c'est trop bien. Et c'est vachement bien fait, hein. D'ailleurs c'est fabriqué en Europe, pour information. Donc là on a les 3 personnages, Harry, Ron et Hermione, en sorte de dessin animé un peu comme ça. Ils sont super bien faits. D'ailleurs c'est pas les modèles qu'on a l'habitude de voir et ça c'est cool. Je vous fais le focus là, ils sont vraiment sympas. Je peux pas résister et j'ai envie d'ouvrir le deuxième. Oui, vous allez me prendre pour une dingo, mais j'ai envie de vous montrer. S'il y en a différents, ça peut être trop sympa quoi. Donc le deuxième, c'était le même style de petite pochette. Et celui-ci, oh il est trop bien. Oh non mais ça je suis obligée ça, c'est trop bien. Avec Poufsouf quoi, Team Poufsouf. Non mais ils sont pas mal du tout. Ah je suis ravie. Non mais trop beau quoi. Et je montre derrière comme ça, voilà, c'est aimanté pour mettre sur le frigo. Et moi je les mettrai sur mon tableau de classe. Et les deux autres, eh bien écoutez, je vous les montrerai sûrement sur Instagram si ça vous dit de découvrir ça sur Insta ou dans un futur vlog maîtresse. Mais il y en a pas mal, hein. Vous avez toutes les maisons, vous avez la voie 9 3/4, vous avez Dobby. Ah Dobby, ce serait trop bien ça. Vous avez Dumbledore et Hagrid, enfin, il y en a deux genres secrets qui sont dorés et luminescents. Luminescents. Oui, luminescents, c'est bien ça. Eh bien écoutez, déjà c'est quasi fini mais c'est juste top. Le dernier pour la route. Tu m'as assez surprise ma petite Mel. J'avoue que là j'ai pas pensé à tout ça. Oh c'est mignon. Tu m'as pris un portefeuille de voyage. Alors un jour on pourra peut-être voyager pour mettre son passeport etc. à l'intérieur, hein, je vous le montre. Il est bleu comme ça, un peu bleu. Il est trop mignon. Oh en fait non, il est pas bleu, il est toutes les couleurs. Il est trop choute. Tout rose comme ça et tout bleu. Il est vraiment beau. Bah écoute, pour mes prochains voyages, un de ces 4. Hein, pourquoi pas. C'est très sympa. C'est un petit gadget tout mimi. Donc c'est trop cool cette box. Et vraiment top. Avec plein de petites choses un peu sympas qui changent de l'ordinaire. Mélanie elle a toujours eu le don de me surprendre dans les box. Et ça c'est trop cool. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésite pas à liker. Si vous avez... était contente de nous retrouver dans une petite box avec Mel, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et puis n'hésitez pas à aller voir la vidéo de Mel. J'espère avoir été à sa hauteur, vraiment ça me met un doute là, mais j'espère. En tout cas merci ma petite Mel, j'ai hâte de lire vos commentaires, je vous retrouve très prochainement dans une future vidéo.